Votre invité Sonia Mabrouk ce matin est philosophe essayiste. Bienvenue sur Europe 1, bonjour Alain Finkelkraut. Bonjour Sonia Mabrouk. Ce fut une avalanche de réactions il y a à peine quelques jours après les propos d'Elisabeth Badinter qui s'est exprimée sur les néo-féministes, les violences sexistes et sexuelles. Elle a essuyé de très vives attaques, la qualifiant de réac, d'ignorante, pointant aussi un naufrage eu égard à son âge. Comment qualifiez-vous ce déluge de réactions euh, en effet, vous avez raison, la haine a déferlé après l'intervention d'Elisabeth Winter sur France Inter. Et ce que révèlent euh, ces attaques et leur violence, c'est la radicalisation, la brutalisation de la vie publique aujourd'hui en France, sous l'égide du... Du féminisme, du nouvel antiracisme et plus généralement de ce qu'on appelle le wokisme. Il n'y a plus de place pour les divergences. Si vous ne vous inscrivez pas dans le sens de l'histoire fixée par les progressistes auto Proclamé, alors vous euh, vous êtes aussitôt qualifié d'être malfaisant, ignoble, de taré, de euh, de gâteux. Et c'est d'autant plus effrayant que les propos d'Elisabeth Badinter étaient marqués au coin du bon sens. Elle a dit que les violences sexuelles n'étaient pas un crime contre l'humanité. Voilà pourquoi elle ne pouvait pas être imprescriptible. On nous tympanise avec le devoir de mémoire, mais si on n'est même pas capable de savoir ce qu'a de spécifique un crime contre l'humanité, qui est un crime de masse, alors ça veut dire qu'on n'a rien compris à l'histoire dont on se réclame tout le temps. Elle dit aussi, Elisabeth Baninter, que le féminisme ne doit pas tourner à la guerre des sexes, c'est-à-dire les femmes ne sont pas toutes des victimes et les hommes tous des des oppresseurs. Alors justement, parlons de, des, euh, des différences de point de vue et de féminisme, parce que, j'allais dire, à l'autre bout du spectre, il y a Sandrine Rousseau qui a elle-même dénoncé la radicalisation d'Elisabeth Badinter, Alain Sandrine Rousseau, euh, elle a dénoncé plus précisément un combo de positions réactionnaires, Rousseau-Badinter, de votre point de vue, qu'est-ce qui les sépare aujourd'hui Tout. Tout. Euh... Alors d'abord... Je voudrais relever parmi les énormités quotidiennement proférées par Sandrine Rousseau une phrase que je trouve particulièrement significative. Elle dit euh, qu'il faut instituer un délit de non-partage des tâches ménagères. Et c'est à cela que mène l'idée que tout est politique mmh. que le privé est politique si vous voulez le tout politique conduit nécessairement au tout étatique et on place les individus dans un état conscient et permanent de visibilité le pouvoir devient une machine panoptique et qui surveille tout le monde tout le temps et d'ailleurs elle n'a pas encore pu, puisqu'elle n'a pas accédé au pouvoir, instituer ce délit. Mais d'ores et déjà, il y a des cellules, notamment chez les écologistes, des cellules internes de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, VSS, disent-ils, ou disent-elles, et ces, ces cellules, effectivement, placent les individus suspects sous une surveillance. C'est ce qui s'est passé avec euh, Julien Bayou, cette ce qui euh, passé. étatisation de la vie privée que vous dénoncez. Elle s'est révélée avec le cas Bayou, parce qu'il n'y a elle, pas d'affaires pour l'instant. Elle ne se réveille pas seulement avec le cas Bayou, mais le cas Bayou est extrêmement révélateur. Oui, on le suit depuis plusieurs années. On interroge des femmes sur son comportement prétendument toxique. Mais c'est intéressant parce que... Euh, les, 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 les penseurs, les écrivains qui ont traversé mmh. l'épreuve du communisme font de la vie privée une valeur cardinale. C'est ce que dit notamment Kundera. Le privé et le public sont deux mondes différents par essence et le respect de cette différence et la condition sine qua non pour qu'un homme puisse vivre en homme libre le rideau qui sépare ces deux mondes est intouchable et les arracheurs de rideaux sont des criminels et ce qui m'inquiète criminels oui, les arracheurs de rideaux de des... la vie privée sont des criminels oui alors ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire dans la vie privée on est... ne peut pas tuer on ne peut pas bien sûr il n'empêche que Aujourd'hui, on voit bien que l'expérience totalitaire n'a eu aucun véritable retentissement. C'est comme si le XXe siècle n'avait pas eu lieu. Et le néo-féminisme est aujourd'hui une sorte de euh, totalitarisme. Mais Alain, est-ce qu'un homme ou une femme politique peut avoir une vie privée avec un rideau? hermétique oui. et j'ajoute d'autant plus si par souvent ils ont donné des leçons de ce qui arrivait à une certaine gauche sur cette vie privée là. Bien entendu, euh, les écologistes et euh, les responsables à France insoumise ont voulu apparaître comme des parangons de la vertu féministe. Ils ont incarné le nouvel ordre moral. Ce nouvel ordre moral se retourne contre eux. Ma première action est de dire c'est bien fait. Mais je je ne m'attarde pas à cette réaction, d'abord parce qu'il y a là un emballement très inquiétant, et parce qu'aussi on ne critique pas ces partis ou ces responsables pour leurs décisions politiques. Politique. Vous voyez, on dit que la France insoumise va mal aujourd'hui à cause de l'affaire Quatennens, de l'affaire Coquerel, mais on ne dit pas. Le pire, le pire, c'est quoi Au Murau, l'autre jour, un élu municipal a dit qu'il socialiste, qui mmh. qu rendait son, son tablier parce que il subissait des injures et des menaces, notamment homophobes. Parmi les injures, il y a celle-ci euh, « Le blanc quitte euh, ma ville. Quitte mmh. ma ville. Elle est à nous. » Voilà. Et euh, il dit, il dit, il dit ceci. Or, que fait la France insoumise Elle choisit les gens qui résonne en ces termes contre l'élu socialiste. Donc elle courtise cet électorat potentiel. Comment Par la complaisance envers l'antisémitisme, par la complaisance envers euh, l'islamisme et par la dénonciation des violences policières, comme si nous ne vivions, nous ne vivions pas à l'âge de la banalisation des violences anti-policières. Alors j'aimerais mieux les qu qu attaquer, soit sur, attaquer le plan politique. sur ce plan politique. Oui. Bon. Euh, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous l'avez évoqué tout à l'heure à hein, l'infirme en début d'interview, lorsqu'Elisabeth Badinter estime, et je cite sa phrase, les victimes de viol devraient prendre leurs responsabilités et aller porter plainte avant la fin du délai de prescription. Beaucoup quand même ont estimé que c'était une sorte de claque donnée à toutes ces femmes victimes. Est-ce que vous comprenez l'émotion qui a non. été suivie non, non Il y a eu une, une réelle émotion. Il y, y a une réelle émotion, mais il y a des émotions euh, injustifiées. Elles sont, elles ne sont pas feintes, il y a hein. des émotions euh, stupides, elles ne sont pas feintes, mais ces femmes veulent nous convaincre que nous vivons sous un ordre patriarcal, alors que le patriarcat a été complètement démantelé. Le Code civil, dans sa première version, disait que l'homme, euh, la, la femme doit obéissance à l'homme et l'homme pr euh, protection à son épouse. Aujourd'hui, c'est terminé. L'autorité parentale a remplacé la puissance paternelle, l'homme est facultatif dans la procréation, les femmes ont accès à tous les métiers, donc il ne faut pas exagérer. C est, c est, c est le, nouveau, le nouveau féminisme vit sous ce que Pasternak appelait pour désigner l'idéologie sous, sous la domination de l'imaginaire. C'est un imaginaire et un imaginaire aussi qui a un agenda politique, c'est-à-dire il s'agit avant toute chose, non de lutte pour l'égalité et pour la liberté, parce que l'égalité et la liberté. Ces objectifs ont été largement atteints pour les femmes. C'est une lutte pour le pouvoir, une lutte pour les places. D'ailleurs, pour Sandrine Rousseau, c'est absolument clair. Et qu'il y a un mouvement qui s'est créé autour d'elle relève féministe C'est le, le nouveau féminisme. C'est un dégagisme. Barrez-vous. On se met là. À votre place. Donc, si vous voulez, je... et, et, et cette le nouveau émotion. Le féminisme est un dégagisme. Oui, pour, pour, pour euh, en revenir euh, à Mais... cette émotion, Elisabeth benasser s'est trompée. Elle a dit 10 ans de prescription il y a 20, 20 ans. ans. Donc, on peut quand même penser que, après le, le long traumatisme subi, c'est suffisant. Subit, oui. suffisant. Mais, attendez, Alain euh, beaucoup ont dénoncé des propos culpabilisants envers les femmes victimes. Bah, D'abord, alors. Je, je, je ne pense pas que ces propos soient culpabilisants. Il faut s'interroger sur le mouvement MeToo. D'abord, moi aussi, ça m'inquiète parce que ça range toutes les histoires sous une même catégorie. Il n'y a, a plus euh, d'histoire singulière. Mmh. Il y a euh, un affrontement entre un oppresseur et et euh, des, euh, des opprimés. Donc c'est déjà extrêmement... Gênant, si vous voulez. Et puis, euh, oui, dites-moi. Que... Vous parlez de l'intersectionnalité. J'en viens justement à ce sujet-là parce qu'Elisabeth Badinter a déclaré ceci dans le système de l'intersectionnalité. Il y a trois groupes, selon elle les gens de couleur, a-t-elle dit, c'est son expression, les néo-féministes et les islamistes. Ils sont liés par une entente. Ça veut dire quoi Qu'il y a une convergence d'intérêts, de faits, de lutte, de votre point de vue, comme pour Elisabeth Badinter Non l'intersectionnalité est un concept qui nous vient de, des campus américains et qui intègre plusieurs formes de domination c'est le sexe la classe l'âge l'orientation sexuelle l'origine ethnique mais ce concept malgré ses apparences de scientificité c'est de la foutaise puisqu'il n'y a pas laisse... d'études il n'y a nous... pas d'études il, oui. il y a énormément d'études il y a énormément d'études aux États-Unis qui sont de la foutaise parce que le présupposé, c'est que la domination n'a qu'un seul lieu qu'une seule origine c'est l'homme occidental c'est le mal blanc or les choses ne se passent pas ainsi et ce qui me gêne aussi dans, euh, dans me Too, que ou dans, dans, ce, dans ce nouveau féminisme c'est l'idée euh, selon laquelle l'humiliation est toujours du côté des femmes pour euh, reprendre une expression d'agnès varda si vous voulez il y a des euh, une, sandrine, sandrine rousseau la, la santé mentale des, des, des femmes est brisée mais ça n'arrive pas aux hommes ça aussi Écoutez, c'est très intéressant parce que j'ai lu dans Libération une tribune de Blandine Grosjean mmh. qui s'en prenait notamment à Katnins et, et, et à sa gifle. Et elle dit, les femmes, elles, elles aussi font des trucs peu, peu, peu glorieux. pardon. Quand il a annoncé qu'il la quittait, elle a crevé les pneus de sa voiture, elle a prévenu le mari de sa maîtresse, elle a fait une fausse déclaration d'attouchement sexuel sur leurs enfants. Et elle, elle dit, la gifle, c'est pire. Non. La gifle, c'est pas pire que ça. Faut... la nature humaine, ça peut arriver à la fécule. Est-ce que vous n'êtes pas en train de bah... renverser la charge Mais non. Entre, entre, attendez, entre dire, on vous croit toutes et quand même, on vous entend. Il y, y a des nuances. On dirait que vous êtes en train de dire, euh, attention, il ne faut pas d'emblée croire tout le monde. Il peut y avoir euh, des mensonges, etc. Il peut y avoir des mensonges. Il peut y avoir des violences des deux côtés. Voilà pourquoi je n'aime pas le mot violence sexiste. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'une blague lourde c'est une violence sexiste Est-ce que la galanterie est une violence sexiste est que une plaisanterie grivoise est une violence sexiste. Mais attendez, une claque est une, est une violence. Mais bien entendu, bien. mais une gifle. Que disent euh, les néo-féministes et leurs compagnons de route masculins C'est qu'il y a un continuum entre la gifle et le viol, voire le crime de masse. Cette idée est totalement absurde. Et elles disent aussi le privé politique. Non le privé relève du domaine de la littérature. C'est la littérature, c'est le roman qui s'occupait du privé. Et maintenant, on congédie aussi bien d'ailleurs Virginia Woolf, Marguerite Duras, que euh, Philippe Roth, et qui euh, s'empare euh, du privé, euh, qui remplace... Les grands écrivains, Sandrine Rousseau, Caroline De Haas, Jean-Michel Apathy et Daniel Chamberman Eh bien, je vous dis moi. C'est hein, Apparemment, on ne ce pas. matin. Euh, Alain Ficrand sur Sandrine Rousseau, euh, qui défend certaines femmes, d'autres se rebellent. On l'a vu hier lors de la manifestation en soutien aux femmes iraniennes. Sandrine Rousseau a été huée et même qualifiée de certaines expressions. On a entendu collabo Sandrine Rousseau. De quoi est-ce le signe selon vous Collabo, euh, il faut il faut éviter d'utiliser ce genre de termes. Mais Sandrine Rousseau, interrogée sur ce qui se passe en Iran, a dit que c'était un avatar en Iran du patriarcat qui règne partout. Donc c'est terrible. Et il y a un contraste saisissant entre la révolte des femmes et des hommes, la révolte des Iraniens contre euh, la tyrannie, notamment la tyrannie du voile, cette tyrannie euh, vestimentaire. Et puis le nouveau euh, féminisme, on se dit mon dieu mais pourquoi sommes-nous tombés si bas et c'est à elle, c'est d'elle, de ces femmes-là que nous devrions prendre la euh, prendre des leçons au lieu de dire que nous vivons partout sous la domination d'un ordre vous n'hésitez pas à descendre dans l'arène, on l'entend ce matin sur Europe 1 avec vous, Alain Finkielkraut. Qu'est-ce que vous répondez pour conclure cette interview à ceux qui vont affirmer ben, que vous voulez maintenir le patriarcat blanc, finalement, que vous venez défendre cela ben, Je n'ai rien à leur répondre, mais si, si, écoutez, je n'aime pas euh, la phrase de privé politique, je dis qu'il faut méditer beaucoup plus qu'on a fait l'expérience totalitaire, et moi j'ai un tribunal intérieur... Ce sont mes amis. Il se trouve que mes amis sont pour la plupart des femmes. Je veux ne pas les décevoir. Et parmi vos amis, vous comptez Elisabeth Badinter je, Oui, bien sûr, mais pas seulement elle, mais bien sûr. Je veux ne pas les décevoir. Si, en, si, en ne les décevant pas, je déçois, j'irrite ou j'indigne la bien-pensance, tant pis pour elle et sans doute tant pis pour moi parce que euh, je risque d'en subir des représailles. Merci Alain Fickelcrott. Merci à vous. Bonne journée ainsi qu'à nos auditeurs.